Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve avec Macrintor sur Crusader Kings 2. Salut tout le monde, bon on joue qu'avec des jeux avec des deux, hein, nous. Hein. Ou Washoi 4, mais on joue plus en fait. Ou des 4. Voilà. Donc, ah tiens, ouais, là ça met des trucs. Ah, t'as vu par exemple les extensions en bas, par exemple, ils sont marqués en recommandé, d'autres vivement recommandés. Et est-ce que toi, Way of Life, il te dit quelque chose dessus ou pas? Parce que moi, bon, comme je les ai tous. Mais Way of Life recommandé. Conclave recommandé, Monkey Mystique recommandé. The Gods, il te l'a pas mis vivement recommandé? Ah si si si. Ouais, voilà, J'ai logique. déjà. Il me dit vivement Bon. recommandé, ouais. Ah, c'est bien ça. Ouais, on choisit un territoire et ils nous disent ce qui est fait. Donc, ce qu'on va faire avec Serikai, on va partir sur des comtés. Le but du jeu, on sait pas trop encore ce qu'on va faire. Des comtés voisins, nordiques. Oh putain, excusez-moi. Il voit loup, quoi. Oh putain, je suis crevé, quoi. Demain, je me casse en montagne. Donc voilà, on va commencer la petite partie. On va voir ce que ça dit. Qu'est-ce qu'est l'objectif? On sait pas. Même s'il y en a un qui devient empereur ou l'autre qui roi, on prendra l'autre, on sera son vassal et voilà, on verra comme ça va se On verra passer. bien ce qui se passera. Voilà. On s'interdit de se tuer mutuellement, quand même. Bien Et nos sûr, il fallait. conseillers ou nos trucs, ouais, on évite de tuer nos bons personnages. C'est ça. Par contre, si jamais ben, j'ai un fils qui est très très relou et que tu pourras le tuer, hein. Que tu me dis que par un malencontreusement il glisse dans l'escalier, que t'as deux fils, t'en as un qui meurt dans l'escalier. Voilà quoi. Voilà. Ok, toujours son présent, démarrer. Donc, est-ce Bon. que si tu vas sur ton roi, normalement tu cliques sur sa gueule, tu dois voir quelque part. Non, t'as où le bouton? Choisir une ambition, Voilà, choisir un intérêt, je peux, ouais. voilà, et ça normalement tu peux pas si tu n'as pas Way of Life. Donc, c'est bien ça. Donc, ce qui se passe, les gens, c'est que si vous jouez à Crusader Kings 2 avec quelqu'un, que moi j'ai tous les DLC, que Serikai n'a pas tout, bah, comme on joue en multi, il a les DLC qui sont activés pour lui. Voilà, parfait. Donc, il n'a pas d'intérêt. C'est où déjà mes intérêts que je l'ai fait? Ah oui, c'est là. Choisir un intérêt. C'est niqué pour moi, mon intérêt. Non, c'est. L'intérêt sera plutôt un intérêt, plutôt Intendance. moi ce sera plutôt économique. Moi, ça va être l'intendance. Merde, je sais plus quelle c'est l'intendance. L'intendance, c'est. Intérêt souveraineté. Devoir ou économie? Devoir. Ah bah oui, on les a en dessous. Intendance plus 1. Ouais, diligence ou tempérance, intendance plus 1 et économie. Intendance plus 1. On va prendre ça parce qu'il faut l'intendance. Voilà, j'ai mis ça. Aucune ambition normale. Un succès. Non! Même un successeur. Oh putain, je suis déjà en partage. Non, c'est moi ça? Attends. C'est quoi mes lois héritières? Je les trouve déjà. Où est-ce qu'on les trouve? C'est là, les lois. Non! Je suis en salique électif, je suis déjà en salif électique, moi, en Ah moi aussi. succession. Oh cool! Bon, le successeur, je le nomme pas maintenant. Domaine personnel trop vaste. Va te faire têter les yeux. Poste vacant conseil. J'ai un chapelain de. J'en ai pas. Donc on va inviter à la cour. Par contre, si je changeais ceci, si je passe en féodal, il faut que je passe à. Faut que j'augmente la. L'organisation tribale, d'accord. Bon, c'est toi, si je veux réformer. Si je veux autre chose que ça, il faudra que je change ma. Que je passe en féodal. Changer quoi? C'est justement éviter les trucs du genre électif salique. Ah, ah oui, si tu veux juste un. Ah, moi j'ai pas le choix, j'ai électif salique ou partage salique. Moi aussi, bon, il faudra donc que je monte le réseau tribal et que je passe au-dessus de compte. Pourquoi ça comment tu peux le modifier? Ah, si, on peut voir les électeurs. La loi de succession, justement. Attends, c'est un partage salique et. Attends, partage salique électif, c'est quoi? Le C'est quand même un partage chalique, sauf que tu choisis qui héritera du titre principal parmi tes gosses. Ah mais c'est haché, moi je veux pas de partage chalique. Ouais, voilà, d'accord. Et c'est où donc tu me disais et où est-ce que. Alors attends, les lois de succession, c'est où tu me disais? Dans loi, tu regardes le titre principal, ton titre. Ouais. Faut que tu choisisses, faut faire évoluer l'organisation tribale de manière à justement
passer en féodal et je vais pouvoir donc passer. Enfin, donc changer les lois. Parce que tant que t'es en féodal, tu resteras dans ton niveau de merde. Attends, va pas trop vite. C'est où que t'as ça? C'est dans. Tu modifies où ça le. Tu me disais ton féodal, tribal et tout le bordel là. Quand tu vas dans tes lois, t'as ta chefferie, voilà, ou tout truc à la con. Ouais. Et au-dessus, tu vois, t'as ton duché ou ton royaume. Mon petit royaume de Oxfam, machin, c'est truc. Ça. Il faut faire en sorte de monter l'organisation tribale jusqu'à maximum absolu. Pour pouvoir justement lancer une réforme. Ouais. Et tu l'augmentes comment, cette connerie, pour lancer la réforme? C'est où que tu fais ça? Une fois que tu seras passé au maximum, tu auras. Oui, mais comment tu passes au maximum? Déjà, tu fais. Faut que ah, adopter le féodalisme. C'est ça. D'accord. Alors, je suis pas païen de réformer. Ok, comment je m'en plus de païen? Je sens que c'est une volée. Il va falloir réformer. Il va donc falloir que. On monte l'organisation tribale, premièrement. Et en plus de ça, il va falloir qu'on passe en religion réformée. Oh putain. Et comment tu montes ton organisation tribale? C'est où ça? Bah, dans tes lois, dans le gouvernement. Ah, ok. Ok, voilà. Ok, oui. C'est chaud. Je suis d'accord, c'est hyper chaud. Ah, il faut qu'on passe au-dessus compte, déjà. Faut qu'on passe duc. Oh, putain de sa merde. J'essaie d'avoir le petit royaume. Heureusement, on a une grosse autorité parce qu'on a quand même 4 lieux saints. Donc, j'étudie. Faut juste qu'on récupère Tolène qui est dans les îles à la con, qu'on gagne des gars saintes. Ah, voilà. Puis là, duché de Varende. Attends, c'est quoi ce temps? Le duché de Varende, en fait, moi, mon duc, tu sais où il est basé? Non, vas-y. Sur Åland, l'île qui est entre la Suède et la Finlande. Ah, d'accord. Le duché de. Ah, chefferie de Åland, ok. Ah, y a pas de duc encore qui existe. Bah non, petit royaume de Zdubol. Je dis comme connerie, moi. Tu es là. Ici. Duché de Varende. Il a la chefferie de Njudjum. Et t'as vu ce qu'il faut pour réformer la religion? Enfin, la foi germanique? Non, tu vois ça où? Dans religion? Tu vas dans l'onglet religion. Ouais. Et en haut à gauche, un petit bouton qui s'appelle réformer la religion. Ouais, ah ouais. Alors, bien que vous puissiez balancer la forme maintenant. L'autorité il en faut moins 3. Nous avons besoin de 750 de piété. Moi ouais. À moins qu'on contrôle tous les lieux saints, quoi. En gros, il y a la Saxe. Il y a Tolène qui est en France, donc c'est mort pour le moment. Uppsala, c'est en Suède. Heldra, c'est au Danemark. Oh putain. Et Maeré, c'est à Nidaros. Ok, génial. Ouais, en clair, faut qu'on soit duc, déjà. Déjà. Et après, on verra la suite. Et qu'il y en ait un ou trois, enfin un ou deux qui procèdent. Sieland, la Suède, et puis ben, Nidaros. Ainsi que l'un des deux en Saxe et celui qui est en France. Putain, ça va être chaud. Oh putain, ouais. Oh. Tu comprends pourquoi c'est chaud de jouer en germanique en multi? Ouais. Bon, sinon, je pense que moi, bah, dès que je serai duc, sinon, bah, il y aura solution de Fiota, ce sera... Elle est chrétien, envoyez un prêtre. Quoi, dis-moi. Merde, comment on fait déjà pour créer le duché? Non, c'est dans les... Merde, pour créer un duché. Ouais, parce que j'ai deux chefferies sur trois. Putain, tellement de temps que j'ai plus joué. Compter des trucs. Faut qu'on récupère un duché déjà, dans tous les cas. C'est ça. Intrigue. Mais c'est aux intrigues qu'on peut créer un. Bah attends, je vais passer en vitesse 1 quand même. Comment on crée déjà un duché, je m'en rappelle plus. Bah, soit tu. Bah, faut que tu ailles dans ton comté, que tu regardes dans territoire de jure, le duché au-dessus, et tu regardes les conditions pour le créer. Ouais, bah, de jure, il faut. Ah, c'est le. C'est lui qui les a. Petit royaume, chefferie des plantes, chefferie de maintenant.
Ouais, s'ils veulent, ils se font des guerres. Parce que voyons, chefferie de Findeven, c'est moi. Il y a le duché de Varennes, mais je crois que le duché de Varennes, ouais, il n'existe pas pour l'instant. De Varennes. Ah oui, il y a le truc créé, voilà, c'est ça. Ah, c'est une question de thunes. Dès que j'ai les 200 d'or, je peux créer mon duché. Donc dans 200 d'or, je fais ça. Moi, j'ai... Non, j'ai 42. Ensuite, il faut que j'invite du monde à la maison, là. Société. Non, c'est pas ce... Mais... Il y a eu le bouton pour inviter des gens. Bah, c'est plutôt tactique, c'est... Et... Normalement, c'est... Tu fais dans tes intrigues, t'as le petit bouton machin, invitation automatique des comploteurs. Un truc fiscal, nous vous demandons de résumer ça. Oui, bien sûr que j'accepte. Voilà, j'y vais. Inviter un certain. Ouais, mais non, mais t'as aussi le truc où tu peux inviter des gens à ta cour, normalement. Ah oui, c'est également dans les intrigues. Des intrigues? Mais non, t'avais un objet. Mais non, t'as un objet quand tu cherches une femme, par exemple. T'avais un bouton avant où tu voyais le truc, tu pouvais chercher, par exemple, quelqu'un de ta religion, pas de ta religion, qui faisait ci, qui faisait ça, et ainsi de suite. Ouais. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Je vois plus ce bouton. C'est pas que tu fais un clic droit sur ton personnage et que tu vas... Fais arranger un mariage ou des fiançailles, t'as pas... Bah ouais, mais avant tu pouvais... Ça permettait d'inviter des gens, par exemple t'avais besoin d'un... J'ai une connerie, t'avais besoin d'un mec qui avait des capacités martiales, ben tu le... T'allais ouais, chercher tu vas dans l'intrigue, tu vas dans l'intrigue, tu fais inviter un commandant. Ou inviter un noble. Oui, mais avant, t'avais pas ça. Avant, tu pouvais inviter, par exemple, un mec qui avait des revendications sur un truc. T'avais un onglet de recherche complet. Ah, si, il est en bas à droite. Trouver des personnages. Voilà. D'accord. Ah ben... Pff. Ah là là, hein. Ex-homme... Voilà, j'ai capturé des mecs. Titre. Voilà, invite à la cour. Viens à la cour. Je file la place au conseil. Ah oui, il y a le lock maintenant, ça c'est bien. Il n'y avait pas avant. Ok. Sage un chapelain. J'ai pas de prestige. Par contre, c'est que j'arrive pas. C'est moins pratique que sur EU pour savoir avec qui t'es en guerre. Ouais. Et ce qui est en guerre, c'est ce qui est en rouge. Mais il est en guerre contre qui, lui? Contre moi. Pourquoi il est en guerre contre moi? Je vais le défoncer. Hop.
Non, je capture moi. Ok, donc ils vont arriver, on va démobiliser, voilà. Et la grosse, c'est notre territoire. Ok, bon, maintenant on va étudier un peu le conseil. Conseil. Putain, pété conseil de merde. Le meilleur il a 11, je l'ai importé, sinon c'est 9, 8, 8, 6, 11. On va faire venir du personnel étranger. Donc voilà, 18 là-dedans. Invité. C'est bien ça. Bien. Est-ce qu'on peut buter mon père histoire de pouvoir gratter ses terres? Tiens, il y a plein de gens qui veulent venir, allez. Va mourir le vieux. Le hooligan. 273% de licence de complot. Tu vas mourir mon gars. Alors l'autre il fait la gueule. Le mec il fait la gueule parce qu'en fait je l'ai remplacé de son rôle de chancelier. Il avait 8, j'ai un chancelier maintenant qui a 18. Ah. Ouais je fais la gueule. Ouais d'accord. Et que le maréchal qui reste, il a 8 quoi. Voilà, c'est déjà pas mal. Ok, maintenant les conseillers, on va peut-être les faire bosser cette bande de feignasses. Bien, merci. Merci pour le trône. Oh, voyons. Et regarde, je suis le roi maintenant. Non, t'es le roi, toi. J'ai buté mon père, j'ai gratté son trône en virant mon frère comme successeur. Oh là là. Bravo. Toi, oh, tu passes de comte à roi, toi. Je vais faire ça. Implanter une tribu. Non, c'est nul ça. Avant l'intendant, là il fait intendant faire naître une légende, ça augmente le prestige, mais moi je m'en fous, moi je préfère avant quand il faisait des taxes. C'est ça. Oh, t'as un gros thé à toi. T'as grossi. Je sais pas trop. Attends, en ce moment je suis... Ouais, le mec était au-dessus de toi, grossi en tout cas. Ouais. Voilà. 37, faut pas être pressé moi pour le fric, hein. Putain. Moi non plus, 67, faut pas vraiment être pressé du tout. Ouais, on va passer un peu en vitesse super parce que là. Non, je vais connaître d'hommes en tout cas. On va voir mes troupes. 2100 hommes. Et le Saxo, la combien d'hommes? 1100 hommes seulement? Ah putain. Putain, t'es roi toi, ça rigole plus là. Ouais, ouais. C'est bien. J'ai un peu écarté mon père du conseil. Et j'ai. Enfin, mon père, mon frère plutôt, pour pas qu'il soit héritier.
Quoi? Il se trouve que j'ai eu un complot, je vais me faire tuer. Merci. Bon, c'est pas grave, hein. Du coup, je joue mon frère. Oh, il est beau avec ses cheveux violets. J'ai écarté. Il est beau avec ses cheveux violets. Bon, et ça fait le technique de fin d'épisode. Donc voilà. On va s'arrêter là pour ce premier épisode, les gens. Donc, ça va être... Ouais, je pense que ça va être... Ouais, ça peut être pas mal. Ça va nous changer parce que... Ça va nous changer. Ouais. Ça va nous changer. On espère que ça vous plaît bien. Et voilà, quoi. Sur ce... Donc, Sirikai, bon, bah, lui, il est roi, il est tranquille. Moi, je suis tout simplement, pour l'instant, je suis un pauvre petit comte. Mais je vais me créer mon titre de duc, là, dès que j'ai les thunes, pour créer le titre. Et voilà, quoi. Faut que je regarde le gouvernement... Alors, les lois de couronne de petit royaume s'appliquent en chefferie. Je crois qu'on était passé en organisation tribale faible. On demande d'être vrai, ouais, titulaire. Le rang Ogne est super à compte. Ah oui, je peux pas les modifier tant que. Oui. Il me faut des thunes qui vont me permettre d'augmenter mon truc pour sécuriser mes titres. Donc voilà. Sur ce, les gens, on s'arrête là. On vous dit bye bye et à demain pour la suite de la série. Et ciao tout le monde. Au revoir, les gens.